Avez-vous remarqué comme les noms de nos invités sonnent bien? Céline Moinet, Andrei Bondarenko. À présent, accueillons Alexandra Konunova du Mortier. Née en 1988 en Moldavie, elle a commencé le violon à l'âge de 6 ans. Et elle a si bien travaillé qu'elle a gagné son premier concours à l'âge de 9 ans. Les années suivantes, d'autres premiers prix sont venus s'ajouter à son palmarès. L'an passé, Alexandra a remporté le concours international de violon Josef Joachim. Un journaliste a dit d'elle, Alexandra Konunova du Mortier nous montre ce que peut faire une musique aux sonorités éclatantes. J'ai commencé le violon à l'âge de 6 ans. Mais dans de nombreuses familles des pays de l'Est, ce choix était plus imposé que librement choisi. Ma mère était musicienne et tous les membres de ma famille enseignent des matières liées à l'art. Ce soir, je vais interpréter Otonio Porteño, automne, extrait des Quatre saisons d'Astor Piazzolla. La première fois que j'ai joué ce morceau, j'étais enceinte de 3 mois. J'attendais mon fils qui a maintenant 10 mois. Ce morceau me ressemble, je trouve. Je suis une personne ouverte et enjouée, parfois effrontée. Mais je suis aussi sensible et bien sûr, il m'arrive de souffrir. Comme moi, ce tango a de nombreuses facettes.
Fantastique. Merci beaucoup, Alexandra. C'est incroyable. Tu as remporté un nombre hallucinant de prix. J'ai la liste. C'est impressionnant. En 1997, en 1998, en 1999, tu n'as rien gagné en 2004 et 2005. Peut-être étais-tu amoureux ces deux années-là? Je l'ai toujours été et je le suis encore. De mon homme. De la musique. Et tu es maman depuis peu. Oui. Comment parviens-tu à concilier ta vie de famille et ta carrière? C'est difficile, mais je le gère bien. Mon fils me manque, mais à côté de ça, j'ai la chance de pouvoir jouer des œuvres magnifiques avec des gens formidables comme ce soir. Barry, si tu étais membre du jury, décernerais-tu le premier prix à Alexandra? Bien sûr, Piazzolla est extrêmement difficile à jouer. Et je trouve que tu réussis très bien à concilier le caractère à la fois érotique, menaçant et très joyeux de cette musique. C'est un peu un mélange de musique tzigane, de klezmer et de tango. Tous ces éléments sont très difficiles à combiner. Piazzolla, finalement, c'est le sexe et la mort. Et tu l'interprètes de façon éblouissante. Tu es fantastique. Alexandra! Merci. Bravo.